Donc Marco Pantani, le vainqueur du jour, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Ambiance. Je pense que l'année prochaine, on changera le studio et on le mettra de l'autre côté comme ça pour que... Hein, on fera ça l'année prochaine. Oui, on fera ça l'année prochaine. On se tournera vers vous, comme ça vous verrez tous les champions. Et ça continuera d'être gratuit, évidemment. Parce que le spectacle, ce sont eux qui le font, ce sont les grands champions. Marco, c'est une journée assez extraordinaire parce que tout était programmé. Vous aviez dit, on contrôle dans la plaine et j'attaque en bas. Et vous avez fait exactement ce que vous avez dit. Sì, siamo partiti pensando di far bene, anche se chiaramente c'era il dubbio che non sarei arrivato solo, però abbiamo provato a tenere la corsa nella parte pianeggiante, poi abbiamo cominciato la salita un po' forte, sono rimasto un po' indietro nei primi chilometri. E poi una volta raggiunta la testa del gruppo ho cominciato l'andatura che riuscivo a mantenere ed era alla fine ho avuto ragione, questa è stata per me una bella soddisfazione, credo una soddisfazione per la squadra che ha lavorato tutto il giorno. Voilà, donc en fait, ils étaient partis avec cet objectif de gagner aujourd'hui. Et en fait, ils avaient quand même un petit doute parce qu'ils ne savaient pas si Marco allait arriver tout seul et gagner. Donc ils ont contrôlé comme prévu dans la plaine. Ensuite, au début de la montée de l'Alpe d'Huez, il est resté un petit peu en arrière. Et ensuite, bon, il a joué ses cartes, si l'on peut dire. Et il est parti. Et pour lui, c'est vraiment une grande satisfaction d'avoir gagné aujourd'hui. Marco, on revoit sur les images, vous avez attaqué pratiquement en bas, dès le début. Et vous êtes resté à 4 as. Marco Pantani, Richard Virenque, Ulrich et Rhys. Et ils ont craqué les uns après les autres comme ça. Est-ce que vous pensiez que les choses allaient se passer comme ça? Non, io come dicevo prima, ho cominciato la salita col mio ritmo sapendo che quello era il ritmo che potevo tenere non ho mai chiesto un cambio a nessuno, anche quando eravamo in quattro, perché il mio obiettivo era di provare a staccarli. E chiaramente se cadevo nel tranello di cominciare a guardarmi indietro e pensare di chiedere qualche cambio, psicologicamente sarei stato già battuto, quindi ho fatto il possibile, anche psicologicamente ho fatto la mia corsa. En fait, oui, il a fait la course, il a fait sa course. C'est-à-dire qu'il est parti au départ à son rythme, il s'est pas mis dans le rouge, mais il a demandé en plus de relais à personne, même quand ils étaient à 4, et le but c'était de les décrocher un à un, et finalement il a eu raison, il s'est pas retourné pour demander le relais à quiconque, et finalement il a réussi à partir, donc il a fait sa propre course et ça lui a réussi aujourd'hui. Je crois que c'est Papa Pantani qui est là, qui vient de nous rejoindre, c'est ça? Vous êtes Papa? C'est Papa? Il vous a suivi, il est venu d'Italie. Sì, ogni tanto viene a vedere il tour, no? È venuto nel 95, nel 94, viene qualche tappa di montagna e quando viene mi porta abbastanza bene perché vinco quasi sempre quando viene. Dovrebbe venire un po' più spesso. En fait, son père ne suit pas tout le Tour de France, mais il vient que sur quelques étapes, il était déjà venu en 94, 95, mais il dit que ça lui porte de la chance parce que en fait, il gagne à chaque fois que son père vient quasiment. Donc il faut que papa vienne tout le jour alors, hein. Hein, il faut qu'il soit toujours là. Et il faut surtout qu'il s'occupe des chats sur la route pour qu'il demande aux chats de partir. Marco, je ne vous garde pas très longtemps. Je sais que l'ensemble de la presse veut vous voir, les journalistes. Est-ce que pendant l'année d'arrêt, après l'accident de la jambe, il y a vraiment des moments où vous vous êtes dit j'arrête le vélo? Ma subito dopo l'incidente, la prima settimana pensavo di abbandonare, anche perché la mia gamba era un po' brutta, insomma, un po' messa male. Poi i medici hanno cominciato a dire che non c'era problema, che sarei potuto guarire come prima e ho ricominciato così, prima pensando di guarire come persona e poi una volta guarito ho fatto 7 mesi di stampelle e poi ho ricominciato a uscire in bicicletta appena mi hanno tolto le stampelle
E quindi no, diciamo che solo qualche momento, diciamo la prima settimana solo. Voilà, en fait, seulement la première semaine après son accident de Milan-Turin, il a vraiment pensé à abandonner, il avait la jambe dans un tel état. Mais ensuite, les médecins l'ont aidé à guérir. D'abord, il pensait pouvoir guérir comme une personne normale, c'est-à-dire plus faire de vélo. Mais ensuite, il a recommencé à prendre la bicyclette, à faire des sorties d'entraînement, et là, c'est revenu. Il a eu 7 mois de béquilles quand même, et finalement, avec beaucoup d'entraînement, il a réussi à revenir à son niveau. Votre braquet, Marco, pour monter ici à l'Alpe d'Huez, parce qu'on avait l'impression que vous tourniez plus les jambes que Ulrich derrière. Vous montez avec combien, vous? Giravi più le gambe che gli altri. Qual era il tuo rapporto nella salita? Monti avec combien? 40? Io uso sempre un 39. E 39? Sì, 39. Avevo 39, 19, 17, 16. Sai, dipende un po' dai momenti della salita, diciamo. Comunque 39, 19, 17, 16, questi rapporti. En fait, 39-17, ça dépendait des tronçons de la côte. En fait, ils changeaient souvent. Mais 39-16, 39-17. Le plateau devant, c'est 39. 39, c'est ça. Davanti. Est-ce que c'est vrai que vous êtes un admirateur de Franco Baresi, le footballeur? Si, 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 sono... Pour vous, c'est le top, Baresi? Non, però un grande sportivo, uno dei più grandi sportivi italiani. Vous allez faire la Vuelta ou pas? Non. Non, pas de Vuelta. Ok, merci, merci Marco. J'espère qu'on vous reverra souvent pendant les Alpes. Merci à tous. Et avec le papa, merci papa. Et avec cette particularité aussi.